Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Et comme convenu, suite à une vidéo l'année dernière, je vous représente la Corvette C8 Z51. Les amis, cette vidéo, elle est vachement différente par rapport aux autres parce que cette voiture, elle est déjà passée sur la chaîne et elle était passée full stock. Et à la fin de la vidéo, j'avais dit, bah écoutez, je vous la représenterai une fois plus tard, quand, je sais pas, une fois que tout sera fait dessus. Donc voilà, le propriétaire a tout fait, il me l'a prêté une seconde fois. Et là, aujourd'hui, on va pas parler de la voiture, qu'est-ce qu'elle a, ni de ça, les options, nanana. C'est déjà fait, je vous invite à cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste ici de cette Corvette pour voir un petit peu les choses détaillées. Là, on va parler principalement de ce qui a été fait dessus depuis la dernière fois. Donc, en fait, c'est un peu une partie 2, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un covering, un gros covering. On a du covering carbone juste là. On a la deux pointes comme ça qui suivent la ligne du capot et des ailes. Toutes les pièces, alors en fait, les pièces sont, je sais plus s'ils les avaient, je crois que si, je crois qu'ils les avaient déjà, mais on va en reparler de ça. Toutes les pièces ont été recouvertes par du vrai carbone. Voilà, c'est pas un covering carbone, c'est du vrai de vrai carbone. Donc on a en fait toute l'entrée d'air là, juste ici, la lame avant, qui a été recouverte en carbone. Les coques de rétroviseur, là on a du covering carbone là. Et il nous a fait aussi un covering là sur tout le long, qui finit en pointe juste ici. Le carbone, pareil, autour de la vitre arrière. On a le béquet aussi qui est en carbone. Il a mis sa petite signature sur les côtés. En fait, ce que j'aime bien, ce qu'il a fait, qui est vachement sympa, il a mis du covering là, en fait, pour tirer un petit peu sur les toutes les formes qu'on ne voit pas d'habitude. Donc en fait, juste là, comme ça. Et là, on a du coup le diffuseur arrière qui est en carbone et du carbone rouge ici. Il y a une ligne d'échappement maintenant. Et là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Il y a eu du carbone aussi là, sur les ouvertures des entrées d'air. Et en covering, il y a le petit logo là, la petite tête de mort Corvette, qui est vachement jolie. Et je vous remonte quand même ce 6 litres de V8. Voilà. La gueule du moteur. Bah ouais, ils l'ont fait, hein. Moteur à l'arrière. Sur une voiture de série. Sur des voitures de course, ils l'avaient déjà fait. Soft close, parfait. Le logo, je crois qu'il a été passé en noir, si je dis pas de bêtises. Il nous a marqué 6 litres de V8, performance. Donc là-dessus, hein, c'est bon, voilà, c'est un 6 litres de V8, ça sort 500 chevaux. Ça, c'est pour le rappeler. Donc voilà, c'est ce qui a été fait principalement dessus. Et la dernière chose, une putain de grosse paire de jantes, en fait, tout simplement. Donc les jantes, c'est des concaveurs. Je connaissais pas en vrai cette marque. C'est du 20 à l'avant et du 21 à l'arrière, donc il a pris une taille de plus. Parce que moi, ce que je reproche beaucoup à la C8, en fait, c'est que bah, les jantes font vachement petites. C'est des grosses jantes de base quand même, mais elles font petites. Et je sais pas, je trouve que ça va pas avec la voiture. Après, c'est qu'un avis personnel. Mais là, du coup, c'est beaucoup mieux. Et au moins, il a pas mis du noir, il a changé, il a mis une couleur bronze. Du coup, voilà, vous voyez ce qui a été fait dessus. Et là, maintenant, on va pouvoir se faire un petit essai routier sympa en écoutant le bruit de la voiture, le bruit qui est maintenant juste magique. On entend vraiment le V8 sonner comparé à avant. Certes, on l'entendait, mais pas assez. Les embouts, ils sont magnifiques. Parce qu'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, ces petits embouts carrés, je suis pas fan. Et là, on a des beaux gros embouts qui ressortent, ronds comme ça. C'est super joli. En vrai, j'aime beaucoup. Moi qui avais du mal avec le cul de la voiture, là, quand on la regarde, je prends déjà beaucoup plus plaisir. Et puis avec ces jantes, c'est vachement joli. Bon, je vous invite à regarder le démarrage et puis on va partir tout de suite en essai routier. On va aller se faire kiffer un petit peu. Les amis, voilà, on part avec la belle C8. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé principalement de ce qu'on avait parlé la dernière fois, mais parce que je vois pas trop l'utilité de reparler d'une chose qu'on a déjà fait dans une vidéo précédente. Donc voilà, là ça va être plus net en termes de sensations, voir un petit peu ce qui a changé. En termes sur le bruit et quelques... Je sais pas s'il a mis quelques pièces ou pas dedans, en vrai. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il me l'a laissé et c'est tout. Il m'a rien dit. Allez, voyons voir ça. Oh,
Ah, chante mieux, hein. Bon, en tout cas, on part du principe qu'elle fait 500 chevaux. C'est ça qui est marrant, c'est quand même, on prête une voiture. Tiens, je te la laisse, faut que j'y aille. Et du coup, voilà. Ah, ça marche bien là. Hein. Puis c'est vrai que la sono, elle est beaucoup mieux. Hein. Et la boîte, elle est juste dingue. Juste dingue. Ça me rappelle des souvenirs. Ah, génial. Oh, nickel. Un gargouillement, des petits pétarades. Ah, ça, il n'y avait pas. Ça, ça fait plaisir. Quand ça pétarade un peu, là, on aime ça. Les amis, je sais pas si vous adorez, mais en tout cas, moi j'aime bien. Bah, c'est vrai qu'esthétiquement, la plupart des gens, c'est bon, bah on aime ou on n'aime pas. Moi perso, esthétiquement, ça va mieux qu'avant en tout cas. Par contre, l'intérieur, je suis une grande fan. J'aime beaucoup. On va faire demi-tour ici. Ah, mais il y a que. C'est, à chaque fois, c'est dès que je repasse la seconde qu'il y a du gargouillement. Bon, la caméra arrière est quand même bien. Ah, et puis, regardez les amis, il y a la Corvette C8 qui s'affiche juste là. Excellent. Là, j'aime bien. Hop, on repasse en manuel. Ah, c'est ouf. Elle marche vraiment très très fort. Les amis, franchement cette caisse, mais elle fait, j'ai pas le droit en soi de dire ça, mais je le dis quand même, elle fait que 500 chevaux, mais elle rivalise avec des caisses qui font beaucoup plus que ça. C'est une super car. Maintenant on a le droit de le dire. Corvette C8, super car. Moteur à l'arrière, elle a des perfs de dingue. Les amis, je sais, sur cette vidéo je parle pas des masses, mais en vrai là le but c'est juste de kiffer, en vrai, parce que sinon ce serait répétitif comme vidéo. Les amis, sur ces belles images, cette vidéo était, je sais, rapide et assez différente des autres. Mais voilà, je tenais à refaire une vidéo dessus pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait et vous faire entendre cette nouvelle sono. Et voilà, c'était vraiment juste ce kiff-là, en fait, de vous partager ça tout simplement. Et puis ça fait toujours, on va pas se mentir, mais du contenu en plus. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous aimez les vidéos. Si vous les aimez pas, je vous laisse partir tranquillement. Et puis voilà, vous abonnez à mon Instagram. Et puis, on se fait des gros bisous et on se dit à la prochaine.